Bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de l'heure où vous pouvez regarder l'émission, ça, pas oublier ou sous Marchandzin Haïti, Maman Pemba. Rapidement, nous avons passé dans ça qui vient pour avec Solino Kouelila, qui a passé un mauvais moment depuis quelques temps. C'est pas seul le Solino, non? Alors, nous commençons dans Solino, puisque nous pouvons faire traverser Balatibonite côté. Ben dit ça vient au bas grand riff nèg yo fan pile dégâts nèg yo passé dans zone c'est pas deux bœuf ti maléré ou pas volé mes amis en tout cas causé en pile lui donc on retourner d'abord dans Solino nous connaît dernier 48 heures ça d'ailleurs depuis presque une semaine là Solino a connaît une situation compliquée avec poté bruit que bandi vivent ensemble yo fait. D'ailleurs, pendant le week-end, là, la négoté accéléré bataille tout vendredi soir pour l'ouvrir samedi matin. C'était tête chargée. Une série de vidéos qui virale sur internet là, qui montrait comment négoté a boulé même petit manger maléré. Un peu le monde qui quittait Kayo. Nous, ouais, image ça, déjà. Donc, bandit vivant sans mieux. Qui, quoi, est là, selon dernière information, presque contrôlé 80% territoire dans Solino. Tellement négio font poter bruit à force dans Solino alors que gain présence policier là gain présence blindé et cetera et ça pas suffit et n'a regardé dernière vidéo barbecue posté là monsieur dit carrément yo décidé mandé pour la paix faite parce que yo pas continuer attaquer Solino. Est-ce que n'ka fait parole barbecue confiance? Eh ben barbecue dit désormais mon akaye mon Solino et cetera. Yo pas besoin espérer que vivre ensemble pral attaquer yo font poser mais monsieur bay condition pour que poser ça rete net. Condition c'est pour que moun yo suspend bay bois calé avec moun qui sorti dans zone vivre ensemble ab dirigé. Par exemple si un moun sorti dans village de Dieu 4 identité le marqué sorti village de Dieu c'est pas parce que le sorti village de Dieu pour que yo bali bois calé c'est de même pour Delma Badelma etc. Ma prédit nous encore. Depuis nous kembe, on nèg bo la kay nou qui vient voler moto bal bo akale. Depuis nous kembe, on nèg qui vient kidnapper moun dans zone bo la kay nou, dans n'importe zone là. Depuis nèg ay voler, il vient voler. Depuis nèg ay kidnapper, il vient faire bal bo akale. Dans n'importe zone là, depuis nèg qui vient touyer moun bal bo akale. Mais suspend touyer moun parce que moun nan sorti Delma 2, Delma 4, Delma 6. Suspend tout le monde parce que nous sommes sortis village de Dieu. Suspend tout le monde parce que nous sommes sortis cité soleil, parce que nous sommes sortis Canaan, parce que nous sommes sortis quoi de bouquet. Depuis que nous sommes sortis quoi de bouquet, nous sommes sortis dans 400 ans. Depuis que nous sommes sortis Canaan, nous sommes dans l'Italie, dans le Bajef. Depuis que nous sommes sortis village, nous sommes dans 5 secondes. Depuis que nous sommes sortis sous Belel, nous sommes dans le gang à Kempes. Depuis que nous sommes sortis au Badelman, nous sommes dans le gang à barbecue, pas vrai. Mon équipe mon cap mon innocent ga sa ki trois ti jeune garçon Léogan la kay mon pays mon Léogan ressaisi nous mon Léogan ressaisi nous pa gòk ken attaque k ap fèt sou Léogan vivan se m ap goumen pou sa pa gòk ken attaque ki pral fèt sou nazon sou krisoa mais m ap tout profiter di moun Delma 30 sa et m ap adresse ma Angelo spécialement Angelo et policier yo men et policier yo travay w ap fè am te kon fè l tout mais lèm te kon ap fè l te kon fè l bien. M'bat kon touye moun nan parce qu'elle sort village. M'bat kon touye moun nan parce qu'elle sort si et grand ravine. Nou gen information et policier nye, monsieur son gang. Eh bien, là nous fait travail ça yo était bon pour voir toute zone côté moun nèg la sorti. Tout moun net a dit nous oui monsieur ton bon bagay. Et n'te kon gen bon antenne. Angelo travail antenne. Pas occupé on l'autre policier qui était en bas Delma 2, Delma 4, Delma 6 parce que policier qui était Delma 4, Delma 6 qui en l'air Delma avant. Depuis le monde si jeune, Delma 4, Delma 2, il était besoin de faire si jeune dans la vie. Si jeune n'a pas de pression dans la main, depuis le jeune sous Delma, il fait nous prendre, il fait nous tout. Moun Delma 30, retire quoi dans la bagaille ça. Moun Delma 32, retire quoi. Moun Delma 40, Bela Kaye, j'aime ça, retire quoi dans la bagaille ça. Moun Akaye, c'est ton réplique qui te baille pour qui te montre, l'en moun ap tout yon ka mouri tout. Même ba nous garanti, Akaye pa gon gren attaque qui va arriver sur lui. D'ailleurs, pile moun Akaye capteur de mnak, tapre l'em, qui tapre l'em chez méchant. Qui fait mal par la Iso, qui fait mal par la avec Jeff Gaulois. Pa gon ken attaque kapre tourne sur Akaye. Mais si semaine tue moun sous mat la, si semaine tue moun Canaan, si semaine tue moun nan pour grand merci. Parce que, de moun nan vin voler nous gen bon preuve balbois. Évitez ça.
En tout cas, Jean t'attendé là, nous t'es assuré que nous fait autant de voix barbecue même parce que barbecue ces derniers temps, monsieur parlait en pile. Monsieur tellement parlé en pile monde considère monsieur comme une des plus gros bluffeurs qui existait. Mais grand pile monde qui dit tout, non, ça monsieur a dit grand pile dans ça l'a dit qui connait vérité. Par exemple, on prend révélation ambassadeur qui dit que il connait parler ensemble avec Bandi pour protéger ambassadeur. Barbecue avant même que l'ambassade a été fait révélation. Ça bien que ça te connu toujours a dit, mais l'ambassade a confirmé ça. Barbecue te parlé, il connait dans réunion ambassade là. Monsieur te même parlé des passeports avec personnel. Moi quand même gain audio ça là, on t'a fait entendre, on font titre de tout petit. Faut américain. Qui gain photo qui gain nom sur cap gain nom qui pas gain Jimmy Cherizé. Coupez ça avec TikTok. Moi gain passeport américain qui gain photo mais qui pas gain nom Jimmy Cherizé. Comment? M'pas besoin de nous comment me reler. Le wap tande sa yo, et puis wap gade sa kap passe dans Solino, malgré gen présence la police dans Solino, wap gade sa kap passe à Kaye, bien que selon information yo, gen pil bandi qui tombe à Kaye, si vous gen pil dega qui fait, nèg yo tue moun, yo boule Kaye, yo boule machine, nèg yo coupe tête, même jeune fille, même pandye. Donc c'est un pil crime nèg yo fait. Regardez ça qui passe sur Solino, nèg yo fan pile dégâts. C'est comme si population vinn trouvel nan yon position li pa ka fè bandi yo confiance, li pa ka fè parole bandi yo confiance, bien que le bandi yo di y a fait tel ou tel zak, ou obligé prendre ça très au sérieux parce que souvent les nèg yo pral fon zak yo fè le vrai, les ou di pral fon zak yo fè le vrai. Donc le bandi yo di pral attaquer tel ou tel zone, c'est dans contexte ça. Oui, on série des médias. Les bandits yo parlé obligé fait pas faire message là passer. C'est pas que c'est porte-parole bandi nous sont j'ai rapport de CPJ dernièrement. Yo nan place non yon journaliste. Machin di Haiti que qu'on a fait dossier parmi un groupe. L'indique que qu'on a nan interview parmi groupe journaliste en dedans ghetto même genre un paquet de journalistes étrangers à rentrer. En Haïti vinn paye ticket bien cher vinn faire interview d'ailleurs CNN débarque vinn faire interview avec bandi yo. Nous voyons comment ça te vient sur ton on fado sous dos marchandise en Haïti. Même moi-même, pour j'ab moi-même, pas même on parle à bandi, nèg te gen ta prend photo, me dit m'na gang. Nèg yo dit marchandise média gang. Alors que gen journaliste, on série de gros médias nan pays a qui te nan qu'on a nan interview tout, qui cité nan rapport. Ou après on série de nèg ouvert micro yo marchandise média gang, y a fait gros gauche. Nèg yo gen tap mandé pou même moi-même ti moi-même bwa kale. M'pa jam parler à bandi yon fois. Parce que c'est marchandise. Juste pour popularité, ça konnen. Marchandise son média qui suivent en pile. Depuis yo di marchandise Haiti la fè bri, OK? Gon boz sa fèt, gon focus kap mete sou li et puis sa di a nèg peyi a continue a craser tout désordre yo a fèt et puis y a fè moun réseaux sociaux de média en li sa yo même qui a prôné gang c'est cela qui prôné marchandise prôné gang. Ambassade campé non émission li di yo parlé avec bandi pour protéger ambassade yo. Donc ambassade ça dit clairement que pays États-Unis juste occupé de contrôler ambassade li alors que zam bandi yo a utilisé soit la kaeli et population et plusieurs centaines moun kap mouri de temps en temps ka a boule dégâts sa yo a fait là pour les États-Unis pas pour mezi sérieux non seulement pour empêcher zam yo sorti la kaeli vin en Haïti vin tomber dans men gang yo et puis pour prendre de l'autre mezi pour aider nous au moins ban nous aide qui normal au lieu de nan tenter a passer nous tout temps. Dernièrement barbecue non live, monsieur dit le fin gen zam comment zam qui vini oui. Est-ce que gars dit monsieur c'est rancé la prince ou bien menti la baille. L'un trouvé non position, nous par contre si pour nous courir si pour nous descendre. Ambassade dou le protéger. Ambassade li, il parle à bandi pour protéger ambassade li, barbecue dou li même gen passeport américain c'est cela bien que pays ça son pays compliqué lié. M'a pas rentrer dans bail ça, va me quitter mon pays pour y faire ça ou vle. OK? Donc peuple a vinn trouver non position par contre si pour le courir si pour le monter. Même PNH dernièrement la publié un post qui dit qu'ils font opération en base ça vient. Il y a combien de bandits qui tombent et ils ont publié une photo zam. Pourtant photo zam non c'est pas une bonne photo. Mais pas à comprendre comment police nationale d'Haïti t'a fait avait utilisé photo pour illustrer parce que ou là pour bail bilan. Surtout tout y est tant bandit ou pas rien doit poster image bandit mais surtout saisit tant autant zam. Ou pas à prendre photo zam sur internet pour illustrer. On média gen doit utiliser une image pour illustrer mais page PNH pas qu'à illustrer surtout ces yon zam nan amon sou utilisons image pour illustrer c'est qu'on pas gen photo nan amon ou pas faire photo ou pas gen zam nan vrai
Donc pendant que la police dit mener opération dans sa vie, eh ben tout sorti dimanche soirée 26 pour l'ouvrir dimanche 27 octobre 2024 là, bandi ça vient attaquer localité Delonay, 3e section commune Tirivière la Tibonite. Nèg yo pote aller plus passer 60 bœuf ak un pile cochon. D'après information que grain pour mener aux médias dans département révélé, nèg yo font pile dégâts. OK. Donc peuple a vinn trouver l'on côté là par contre si pour rouiller si pour monter puis peuple a malgré nous gon série de autorité cap passer nous dans tintin bien que gon rime cap courir là qui dit oui les si Voltaire aller Colombie pour la négocier pour libérer mais c'est nèg qui était participé dans tout journal voisin ça va gagner qui dit vrai la donne c'est que nous connaît et les si Voltaire a participé dans et sommet sur biodiversité cap fait dans Cali Colombie COP 16. Et donc c'est question diversité et biodiversité qui peut parler là-dedans, c'est pas question négociation. Bon, et nous pas parler ça, nous pas connaître nous-mêmes. OK, donc bagaille compliqué mes amis, bagaille vraiment compliqué. Et gens bagaille parler là, comme si vous t'a dit gon force multinationale là, ça pas empêcher bandi ou attaquer, ça pas empêcher nèg ou faire menace. On va nous série des petits sans sale sur toutes réseaux sociaux, k'ap voyer message bay mon akaye et bay mon et telle ou telle zone n'ap di ou pral attaquer et cetera. Bon, mais barbecue sort son voice ça li promet li di depuis c'est pas bandi nous kembe ak et moun yo kembe ak zam yo kembe yo bay wa kale bataille la continuer à attaquer. Ça veut dire monsieur dit moun yo le kembe moun yo c'est pas sous base et yo sorti dans telle ou telle zone yo tout bandi automatiquement. Et nous toujours m'pa pral kore barbecue nan sa lab di a, mais nous même dans machin di Haiti position nous était toujours clair sur ça. En réalité mes amis, m'pa vle nous retirer ça dans contexte pour nan mettre dans l'autre contexte parce que et machin di nous pas gain chance non ça c'est pas petit bagaille yo prend yo fait yo mettez le nan pas dans sens pas mais non contexte côté République Dominicaine décidé déporter et environ 10,000 haïtiens chaque semaine grand pile haïtien qui a sorti là qui a déporté rentré en Haïti. Nous toujours voyons signal un avertissement by moun qui a fait bécaille. C'est pas parce que croisé un monde avec un 4 qui marqué village de Dieu pour dire c'est bandi. D'ailleurs tout le monde dans village de Dieu pas bandi, tout le monde quoi des bouquets pas bandi. On dit que on monde sorti village de Dieu. Dans la République Dominicaine depuis 3 4 ans pas jam et gain papier et puis boum. Il déporté le connait là, il paraît ton côté là, là regarde carte d'identité, s'il ta au moins gain un nom, il dit sorti village de Dieu. Il parle tout dit nèg ça sorti village de Dieu au Balbeka. Faut que nous pas faire ça. Un mouvement si noble comme ça, qui si bon comme ça, t'a aider dans insécurité pays, nous quitter le gars nan men nous a bay bois calé n'importe comment mais ba la vin de nous radote nan men. Donc fann gonn comment a bay beka. OK, parlant de République Dominicaine, faut que nous di ou gagne plus passé 10,000 haïtiens qui retourné en Haïti volontairement à cause déportation massive haïtien yo et compatriote si la yo au lieu quitter immigration immédiat décidé retourner dans pays yo. Et depuis après annonce déportation 10,000 haïtiens chaque semaine là, autorité haïtien yo te fait réagir. Mais après ça on a l'impression que c'est pas d'affaire à te choix gouvernement haïtien t'a battu après ça. Et pour moment yo tout rentré dans calio bien que madame Dominique Dupuis a fait un peu d'effort mais et proverbe l'a dit yo machine couille sous 4 caoutchouc. Si son seul caoutchouc qui était toute l'autre c'est sous jante, l'IPAP qui a fonctionné semble c'est ça qui a passé là. Et selon un dernier update que journaliste Cindy Ario fait publié à travers un article pour année 2024 là sorti janvier jusqu'à 23 octobre entre haïtiens que immigration déporté rapatrié et ça qui retournait volontairement, c'est un total 386,925 haïtiens qui back en Haïti. Et dans chiffre ça yo gagné 173,800 là-dedans qui retournait volontairement et plus passé et 213,000 déportés à rapatriés. Et pour moi octobre là seulement sorti 1er octobre pour arriver 23 octobre immigration déporté à rapatrié plus passé 30,000 haïtiens illégaux soit 30,921. Donc là on prend retour volontaire plus ça qui déporté à rapatrié
Et pour moi, octobre là, ça fait au total 41 026 Haïtiens sortent qui sortent dans le pays voisin, qui tournent back dans le pays d'Haïti. On dit que et si ça t'a continué comme ça, et chaque mois, malgré ma octobre là, poco fini, c'est le même effectivement sous route pour atteindre l'objectif demi-million Haïtiens dans le cadre de déportation et retour volontaire chaque année. Bien que les questions qu'a posé Kounia, est-ce que Dominique a kembe comme ça, puisque il dépend de main d'œuvre haïtien, déjà grand pile plein, grand pile secteur qu'a plein, mais quand même il a poussé avec objectif. Donc n'a suivre ça qu'a passé, il faut qu'on dit où et gagne plusieurs organisations qui défendent droit moun tant coupé et OHDH gagne PADA avec gars qui dénoncent comportement l'état dominicain qui pas respecter droit international sous migration accord yo et yo gagne avec l'état haïtien non ça qui pourrait à question haïtien à déporter yo et quand même mandé l'état haïtien pour prendre responsabilité yo moun dominicain a déporté parce que jusqu'à présent l'état haïtien paco fait rien pour recevoir yo. En tout cas on a regardé étendé conférence pour la presse là qui était bail mercredi passé. Migration c'est une variable d'ajustement du capitalisme transnationalisé. D'ailleurs Caraïbes là sont un espace qui clairement montré ça, puisque nous passons pendant 300 ans pratiquement, nous avons une zone de réception de migrants, que nous avons recevoir Africains, kidnappés, etc. Et puis, je veux dire, nous sommes une zone qui a exporté migrants. Et presque tout pays caribéen est exportateur net de migrants. Donc, Porto Rico, Guadeloupe, Martinique, indépendamment même de niveau de revenus et de toute croissance qui vient dans le pays, presque tout pays caribéen est exportateur massif de migrants. Donc, question migration aujourd'hui, c'est une question qui est extrêmement importante, avec des chiffres qui avoisinaient autour de 300-400 millions de migrants et plus de 15 à 20 millions de réfugiés. Donc, une véritable crise migratoire, et c'est une crise qui a aggravé avec évidemment toute agression du capitalisme contre le peuple, notamment par exemple, je dis une nouvelle variété de réfugiés qui sont les réfugiés climatiques face à changement climatique, etc. Donc, il est très important pour nous situer la question hein, dans le cadre justement dynamique globale économique capitalisme. Et en Haïti, nous connaissons que Haïti, depuis début 20e siècle, nous sommes exportateurs nets de migrants. Et que ça a commencé surtout avec bon, des flux migratoires avant, mais assez peu important, mais à partir de l'occupation américaine. Là, côté que ont décidé que Haïti, rôle que l'a joué, que l'a doit jouer dans la division internationale de travail, c'est fournir main-d'œuvre à bon marché. Et occupants, militaires américains, pour expulser d'Haïti plus de 400 000 travailleurs migrants pour y aller dans la bataille Cuba. Côté que vous allez investir massivement Cuba, vous allez investir massivement en Dominicaine, et puis vous créez les conditions pour que Haïti exportateur de main-d'œuvre. Et voilà ça que vous allez jouer dans le Caraïbe, jusqu'à présent, nous continuons à jouer là. Côté que nous avons exporté massivement des migrants, et évidemment, dans différentes conjonctures, avec des facteurs économiques, par exemple, la question industrie sucrière. Florissant grâce à travers les migrants haïtiens, que ce soit Cuba, que ce soit République dominicaine, et au pral gagner migration de couches intellectuelles et cadres techniques qui pral intensifier dans le cadre des années 60, dans le cadre de répression dictature du Valier, et au pral gagner, et même par exemple, un contrat qui est signé entre 1952 et 1986. Côté que le gouvernement haïtien pratiquement a vendu le travail haïtien, pas tête. Et c'est en 1986 que le peuple haïtien a levé campé, il a dit qu'il ne faut pas ça suspendre. Nous ne sommes pas d'accord pour y avoir 20 haïtiens comme ça en République dominicaine. Et par la suite, nous avons des nouveaux flux migratoires, donc, par exemple des flux migratoires très importants vers l'Amérique du Nord, et le Canada et les États-Unis pendant toutes les années 50-60. Et après ça, nous avons des flux migratoires dans les années 2000 qui pourraient aller vers. Par exemple, l'Amérique latine, en particulier le Chili, le Brésil, etc. Mais tout bagage est lié à la dynamique capitaliste transnationalisée, parce que
leurs migrants, leurs gains des masses de travailleurs migrants, surtout si les travailleurs migrants ont subi persécution, xénophobie, etc. Là, ça, c'est des travailleurs qui ont exploité plus bien, pour payer des salaires moins importants. Yo, c'est des travailleurs qui pas reconnus, qui pas de statut légal, donc qui pas capable de défendre tête. Et la République dominicaine, c'est un exemple important de cela, puisque en général, salaire que travaille ici un joueur de la République dominicaine, 26% inférieur à salaire aux travailleurs dominicains. Et dans ce sens, c'est très important que nous sommes capables de déconstruire parole qui dit que les Haïtiens sont en charge pour la République dominicaine parce qu'ils utilisent un peu les services sociaux dans l'éducation et la santé. C'est complètement faux. Haïtiens, et ça prouvé par un paquet d'études scientifiques, Haïtiens font des contributions extrêmement importantes à l'économie dominicaine. D'abord, c'est Haïtiens qui étaient base même richesse industrie supérieure dominicaine, non? Des les plus florissantes au monde. Et aujourd'hui, travailleurs haïtiens, il y a un paquet de secteurs économiques, notamment tabac, du riz, légumes, construction, et un paquet de secteurs économiques qui dépendent de travailleurs haïtiens. Donc, c'est créer des conditions qui permettent que vous surexploitez main-d'œuvre ça, qui ne sont pas considérés comme des travailleurs légaux, donc qui n'ont pas accès à tout droit qui est reconnu par les traités internationaux. Et persécution ça, il y a consubstantiel justement à mode de fonctionnement capitaliste, non? Et en particulier dans les relations entre la République dominicaine et Haïti. Et il y en a qui est très clair, c'est qu'en même temps que, par exemple, pendant plusieurs années, il a expulsé Haïtiens massivement, en même temps, la République dominicaine toujours utilisé ça, des bouscombes qui viennent chercher le travail haïtien avec tout un ensemble de promesses. Alors il faut dire aussi que la question de l'anti-haïtianisme en République dominicaine, il fonctionnait tant qu'un argument extrêmement important dans différentes conjonctures politiques. Et je dis, hein, et il est clair que campagne, nouvelle campagne anti-haïtienne, ça, l'a fonctionné dans le cadre d'une conjoncture fragile en République dominicaine, non seulement l'augmentation de la misère, parce que même si on a parlé de taux de croissance très important de 6%, misère continue à augmenter en Dominicaine. Il faut pas quatre Dominicains pour quitter le pays. Il y a plus de Dominicains illégaux aux États-Unis que Haïtiens illégaux. Donc, et le gouvernement Abinader là, il est en train d'entamer une profonde réforme fiscale qui va frapper très sévèrement la majorité de couches sociales en Dominicaine. Donc, pour distraire, pour dévier l'attention de l'opinion publique sur les questions fondamentales de la vie quotidienne du peuple dominicain, ils ont créé justement un fantasme, ils ont créé tout un ensemble de faux problèmes et de tout un bagage pour que les Dominicains ont pensé que le problème c'est haïtien et ils n'ont pas réfléchi sur le problème central qui a brassé la République dominicaine. Il faut nous dire tout que la question de migration est utilisée tout comme arme politique et. Clair, par exemple, si on regarde les relations entre Haïti et les États-Unis, côté que migration utilisée comme art politique pour retirer dans le pays tout un ensemble de ressources et techniques qualifiées et qui va rendre beaucoup plus difficile le développement du pays d'Haïti. Et puis en même temps, il y a rapatrié tout un ensemble de monde qui était fait prison, qui était dans gang aux États-Unis, etc. Donc, très souvent, ce sont des armes politiques. Et dans le cas de la République dominicaine, nous voyons qui Jean Balaguer, par exemple, a commencé des expulsions massives en réponse à un discours que le président Aristide a fait aux Nations Unies, quand il a condamné justement toute violation et tout racisme que Haïtiens ont subi en République dominicaine. Et je vous dis en tout, nous avons dit que nouvelle campagne, ça, qui d'ailleurs a commencé symboliquement le 2 octobre, qui c'est même date quand il a été lancé massacre, que tout a été lancé massacre Haïtiens en 1937, pas, mais. C'est des représailles contre Haïti, même Jean, le gouvernement Abinader, là, et il a coupé toute question de visa, il a fermé les frontières aériennes pour punir Haïti parce que les paysans ont décidé de faire canal sous rivière Massacre. Donc, très souvent, son instrument de représailles, c'est pas, et aujourd'hui, hein, nous sommes capables de penser que justement, le rapatriement massif, ça, non seulement son réponse à. Il y a une mesure que le ministère du Commerce prend récemment pour exiger que les produits dominicains pour entrer en Haïti, il faut qu'ils respectent une série de règles. Il faut qu'il y ait un code barre, il faut qu'il y ait contenant, il faut qu'il y ait des précisions en créole qui disent exactement qui ça produit ça. Et les commerçants dominicains ont vexé le bazar. Et justement, c'est une représailles
côté que il y a puni haïtien par rapport à mesure ça. Donc il y a tout contexte ça qui expliquait des souffrances énormes que les compatriotes nous ont subi et dans le cadre non seulement une campagne anti-haïtienne, donc campagne tout qui ont contenu raciste puisque ils ont expulsé des dominicains noirs, ils ont expulsé des jamaïcains qui vivaient dans Sainte Gario, qui montrait clairement que ils ont contenu xénophobe et raciste et lié en consonance avec une aggravation de campagne que l'extrême droite fasciste l'a mené à travers le monde contre les migrants. Il a dit que question migration, non seulement nous avons des flux importants de migrants de plus en plus qui liés justement à désorganisation que la société a subi face à la domination capitaliste transnationale, mais nous avons deux caractéristiques fondamentales qui émergeaient pendant les derniers décennies. D'abord, les flux sud-sud. Parce que les flux migratoires ont été dominés pendant longtemps par des flux des pays du sud vers les pays du nord, pays de l'OCDE. Mais je dis, il y a en pile migration qui a fait entre les pays du sud. Et deuxième caractéristique, c'est que de plus en plus, il y a des migrants qui ont mouru pendant qu'ils ont essayé de traverser. Par exemple, Méditerranéen, je dis, son cimetière à ciel ouvert, hein, côté que Guéen. Des milliers de cadavres d'Africains qui ont essayé de traverser le pays pour aller en Europe. Même gens, nous connaissons tout le drame centra-américain à travers Darien, à travers la frontière entre le Mexique et les États-Unis, côté que quand c'était monde qui a mouru, pas d'immigration a augmenté de façon dramatique. Donc, je dis, il est clair que face à la situation, ça, d'abord, il faut que les Haïtiens comprennent bien de quoi il s'agit, de comprendre sources, de comprendre mécanismes et qu'ils ont exigé que l'État haïtien développe des politiques cohérentes, des politiques migratoires cohérentes, qui embrassent différentes dimensions de la migration, que ce soit la dimension politique, la dimension économique et la dimension culturelle, dans le cadre de défense de la dignité et des intérêts des travailleurs haïtiens. Merci. Décision République dominicaine prend pour retourner 10 000 migrants haïtiens chaque semaine, pas l'autre bagaille que renforcer la machine de répression pour haïtiens en République dominicaine, parce que les migrants haïtiens ont l'autre côté, ils ont longtemps depuis qu'ils ont subi mauvais traitement. Si nous faisons un coup de pied, nous d'activité nous là, qui c'est 15 septembre 2023, nous songeons pour la République dominicaine, dans la décision de pour découper le rapport avec Haïti, qui était décidé pour ne pas bailler visa avec haïtiens et pour ne pas renouveler visa pour haïtiens qui étaient en République dominicaine. Et la décision ça a été poussée dans une situation irrégulière, presque tout haïtien qui est en République dominicaine. Et quitte c'était ces marchands, quitte c'était entrepreneurs, quitte c'est étudiants, professionnels et latriers. Donc ça qui fait, dans ce moment-là, avec les décisions, ça, tout haïtien, que toute catégorie confondue, obligé d'en cacher parce qu'il y a craqué de tous côtés. Et mettez sur ça, méthode qu'ils ont utilisé pour rapatrier haïtien ça pas respecter aucune règle qui vient pour eux avec cause de l'amour parce qu'ils ont entré la caillou toutes les ils ont arrêté dans le travail ils ont battu et mesdames en particulier subi un pile mauvais traitement côté ils ont agressé sexuellement. Nous capable de rappeler nous 5 avril 2024 à côté un agent migration est entré la caillou un migrant femme haïtienne côté il était violé petit lit devant. Donc mesdames ont subi un pile agression sexuelle, un pile viol dans main agents migratoires, agents soldats dominicains, nos trafic monde sous frontière qui impliqué beaucoup avec soldats dominicains, mesdames ont subi en pile. Et là où arrêté mon yo, nous connaissons pas la possibilité pour prendre des personnels, pour prendre un document, pour prendre économie, côté à jeter yo dans prison, yo qu'on fait et plusieurs jours sans manger, nous après fait nous dernièrement là 17 octobre là dans prison Aïna côté un groupe de migrants haïtiens qui en moi yo même pété une barrière parce que yo te mandé pour retourner dans pays yo après yo te fait 4 jours sans pas de manger sans pas de l'eau côté yo t'a dormi à terre dans témoignage yo
gagné qui fait qu'on est que en pile haïtien blessé, gagné qui fait qu'on est gagné haïtien qui mourit tout. Donc situation ça qui passé à Ina, il montrer comment yo traité haïtien yo dans prison. En pile fois, yo utilisé gaz lacrymogène pendant yo dans prison, yo utilisé courant électrique pour yo faire silence les a réclamer droit. Donc c'est une situation qui est vraiment intolérable et nous connaissons et conditions comme lié par voie ici, ça fait que les ovni est sous frontière et surtout que ovni deux mains ou deux pieds. Donc, il est difficile en pile pour migrants haïtiens de déplacer pour aller dans la zone originale parce que nous connaissons comment cause d'insécurité. Il y a un paquet d'axes routiers qui occupent par ordre, un paquet de zones qui occupent par ordre, qui fait un paquet là d'ailleurs qui est obligé de rester sous frontière. Gagné, c'est à cause d'insécurité, gagné tout. C'est parce que vous n'avez pas de moyens, vous même moyen l'argent pour prendre la machine pour aller la caille. Mais il y a tout qui n'a pas aucune connexion avec Haïti, même si c'est haïtien, parce que vous avez tellement longtemps, vous n'avez pas vivre dans le pays, vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de côté pour aller. Et nous même recevoir de monde qui n'est pas haïtien, nous recevoir de Dominicains, nous recevoir de Jamaïcains. Ça montre que en réalité, yon action ça a lié un rapport avec cause raciste, c'est sous couleur peau. Il suffit que moun nan li noir, li gen cheveux crépus, li son haïtien et par conséquent, li mérité pour yon rapatrier. Donc c'est une ensemble situation qui aggrave ou bien qui rend difficile, plus toujours, et capacité ou bien action pour yon pour moun recevoir moun sa ou sous frontière dans toute dignité parce que la situation est vraiment dépassée. Capacité d'accueil, ensemble d'organisations qui sous frontière dans le gare et qui a bail moun yon assistance les revenus sous frontière. Donc c'est extrêmement difficile. C'est deux situations qui que nous pas qu'à tolérer et nous allons regarder avec M. Alermi comment un ensemble de documents, de conventions, yon même yon violé par rapport à mon le traitement que Haïtien eux-mêmes y a subi en République dominicaine. Même jette la. Autorité dominicaine violé un ensemble de lois internationales. Et parmi loi ça yo, qui est d'abord déclaration universelle des droits humains, il y a un pacte international sur droit civil et politique et pacte international sur droit économique, social et culturel. Parce que les migrants, avant d'être migrants, c'est d'abord ces gens et qui ont des droits qui sont garantis par des instruments internationaux. Il y a une Convention des Nations Unies sur les droits migrants qui protège et respecte les droits fondamentaux de tous les migrants, qui sont dans une situation régulière, qui sont dans une situation irrégulière. Il y a une Convention internationale sur les droits et sur les travailleurs migrants. Il y a une convention interaméricaine sur le droit de l'homme, spécifiquement dans l'article 5, qui prévoit le respect de l'intégrité physique, psychique et morale de tout le monde. Elle considère les conditions de déportation des gens et des camarades de la zone de l'église, qui violent tous les instruments. Il y a également une convention sur le droit de l'homme et une convention internationale. Et sous droit Timounio, à la fois Convention universelle sous droit Timounio et Convention internationale sous droit Timounio, qui garantit droit Timounio et qui garantit toute protection Timounio contre toute forme de violence. Et il est clair que la déportation que les gens ont fait, côté des mamans et des parents qui ont déporté, ils n'ont pas même des chances de Timounio, des Timounio déportés dans des conditions qui passaient en papier, droit et dignité comme nous. Il y a une convention contre maltraitance à toute l'autre punition, que ce soit traitement cruel qui fait moun perdre valeur, qui passe en papier dans les gens de déportation. Et il y a également une convention interaméricaine sur prévention, sanction et élimination violence sous forme. C'est une convention élimination toute forme de discrimination contre femmes qui passe en papier dans les gens autorités dominicaines, rapatriés, déporté et compatriotes, nous faisons accès. L'important tout pour nous est faire songer que l'État dominicain avec l'État haïtien a signé un protocole bilatéral sous mécanisme pour déportation, qui est déportation de fait. Le protocole ça a été signé dans la date de décembre 1999. Mais l'État dominicain était engagé pour respecter l'ensemble des mécanismes, l'ensemble des principes dans et déportation. Par exemple, respecter droits fondamentaux compatriotes,
Mais les gardes, gens déportation ont fait dans condition humiliation et côté condition dégradante que déportation ça fait. Côté compatriotes, ils ont subi toutes ces violences, violences physiques, violences verbales, arrestations illégales, raquettes que ils ont fait et pendant qu'ils sont en prison, violences sexuelles que les femmes ont subi, surtout femmes actives. Donc, c'est des principes, c'est des mécanismes qui sont dans le protocole ça, que l'État haïtien et l'État dominicain dessinent et qui n'ont pas respecté dans les gens de déportation fait. Il y a également, et il y a l'État dominicain pour préserver l'unité familiale, éviter la séparation de famille. Et nous rendons compte, les gens de déportation ça a fait, il y a des parents qui n'ont pas même le contrôle de Timounio. Il y a des parents qui rentrent et qui ont l'autre bois, et il y a des parents qui rentrent par l'autre bois. Donc, déportation, ils viennent séparer plus de familles qui vivent l'autre bois. Donc, sous frontière, également, il y a des parents qui ont déporté, j'aime dire qui sont parents. Et parmi les mécanismes qui sont dans le protocole, ça, ou l'engagement de l'État dominicain qui est respecté, c'est permettre aux citoyens de récupérer bien personnel, il y a déporté avant de faire déportation. Ça qui va arriver fait. D'ailleurs, les camarades garçons soulignent, non seulement il y a rad qui sont il n'y a pas de chance d'échapper à la radio, il n'y a pas de chance de prendre rien dans la condition de déporté, il y a des gens qui sont dans la rue comme ça, il n'y a pas de chance de récupérer rien. Déportation, ça a eu qui fait la nuit. Il y a qui fait le dimanche jour férié, alors que dans le protocole là, il est clair qu'il y a un engagement de ne pas faire déportation la nuit. Et il n'y a pas arrivé à récupérer, j'aime dire, ensemble des documents qu'il y a gagné. Que ce soit document ça, c'est un document qu'il faut, ou bien c'est un document qui parfois l'État dominicain est pour remettre le document ça avec l'État ici. Donc, dans la condition de déportation, c'est fait. Non seulement il n'y a pas de chance de récupérer un yen dans sa yon gagné, document il n'y a pas de récupérer yon, et il prend un document yon gagné là-dedans, il saisit sans il n'y a pas gagné accès à document. Donc c'est des déportations dans la condition faite là qui violent la loi internationale que, sous question de migration, mais en même temps qui violent le protocole que l'État haïtien et l'État dominicain. Et entendu pour un engagement pour respecter les gens de déportation. Nous avons profité pour nous dénoncer l'État haïtien particulièrement, qui ne prend aucune mesure, qui ne prend aucune disposition pour exiger l'État dominicain respecter les droits migrants haïtiens, pour exiger de respecter le protocole qui a été entendu sous lui. L'État haïtien ne prend aucune disposition par rapport à la question ça. En plus, l'État haïtien ne prend aucune mesure, il ne va pas créer aucune infrastructure pour permettre d'accueillir les migrants, les venir pour être capable de permettre de faire des soins ou bien permettre d'accueillir nos espaces qui respectent les droits et la dignité comme nous. Merci. Voilà. Les migrants haïtiens vivent en République dominicaine. Et si et surtout par rapport avec déportation massive que qui gagne là gars ensemble avec ensemble organisation qui la POHH APK Pamda n'a demandé pour organisation régionale et internationale tant pour OEA Amnesty International CIDH et en collaboration avec l'autre institution droit monde en République dominicaine ou ta organiser quelques visites observation dans centre de détention côté migrants haïtiens hier parce que avant de déporter haïtiens en Haïti yo mette yo dans centre de détention surtout Haïna et avant de déporter en Haïti donc on t'a demandé organisation régionale ça yo et que pour ta faire visite observation ensemble avec organisation droit monde et pour ta visiter centre ça observer qui j'ai une situation migrante c'est ça oui dans ça. N'a profité renouveler quelques recommandations ensemble organisation droit monde de faire ensemble avec dans les tout l'ouvrir nous te voyer by CPTA
recommandation ça yo te gagne là-dedans côté nous te dit faut l'état haïtien faciliter et retour haïtien yo qui l'autre pour parce que ensemble de migrants haïtiens de République dominicaine qui t'a aimé retourner en Haïti mais malheureusement yo peur retourner parce que te gagne un groupe qui t'a retourné yo te prend yo qui te voulait retourner de manière volontaire yo te prend yo arrêté yo mettez yo dans prison et puis yo déporté yo. Donc il y a un groupe haïtien un ensemble haïtien qui l'autre pour actuellement en République dominicaine qui t'a aimé retourner la caillou volontairement mais pour peur yo pas de faire ça parce que yo peur pour pas arrêter yo mettez yo dans centre détention pour y subir tout ça pour contenter ça fait sous migrant et yo arrêté pour déporter. Donc, on a demandé l'État haïtien pour organiser le retour volontaire. Ça, même gens, en 2022, nous avons un haïtien et un migrant haïtien qui était la Turquie. Donc, ils sont rentrés en Haïti. Donc, on a demandé l'État haïtien pour aider les migrants à rentrer en Haïti. Et mettre des bus pour eux et peut-être louer des châteaux pour eux. Et pour eux, tu es capable de rentrer. Quand ça, les gens ne vont pas perdre l'effet personnel. Parce que chaque fois qu'ils ont déporté les gens quittent tout effet personnel, toute économie, tout ça, tout le travail qu'ils ont fait. Donc, ils prennent, ils rentrent comme ça. Donc, quand ça ne va pas arriver, ça, ils ont arrêté l'État et ils rentrent. Nous, on a demandé tout pour renforcer l'action diplomatique entre deux pays, entre Haïti et la République dominicaine, comme ça. Et droit et ressortissant haïtien yo yote capable pi respecté. Donc la mande tout pour l'état haïtien mande autorité République dominicaine yo pour pas échirer pièce d'identité haïtien yo. Parce que pièce d'identité ça yo c'est propriété l'état haïtien yo. Donc les autorité immigration en République dominicaine yo prend pièce ça yo. Yo jeté, yo crasé, yo chiré, c'est un manque de respect pour pays à même parce que ça yo pièce ça yo tout le monde connaît, li clair que c'est propriété l'état haïtien. Donc ou pas ka nous pas ka permettre autorité dominicaine à prendre pièce ça yo, jeté yo gens yo vle, crasé gens yo vle, donc c'est bien l'état haïtien. Donc nous faisons recommandation ça avec l'État haïtien pour demander l'État République dominicaine donc pour respecter pièce identité haïtienne. Nous demandons tout pour mettre en application convention Vienne côté qui t'a permettre et représentant l'État haïtien qui l'autre pour capable visiter centre détention parce que situation haïtienne centre détention ça il pas bon du tout. Donc et il respecte droit migrant au support pour côté à rentrer donc c'est pas catastrophique mais en dans centre détention avant pour déporter à tout c'est de bagarre qui terrible mais malheureusement nous pas qu'à faire visite donc c'est l'état haïtien qui pour mander ça et que pour représentant l'état haïtien ta capable visiter centre ça pour garder qui gens haïtien ça a passer nuit ça dans centre ça. Donc pour l'État haïtien, pour être capable de créer un cadre de coopération diplomatique et que pour toucher spécialement la question de migration. Parce que je nous entendais notre camarade a parlé la question de migration, il y a un paquet de paramètres là-dedans. Donc pour ça, et cadre diplomatique ça, cadre coopération diplomatique entre deux pays ça, donc capable permettre réduire violation droits migrants et puis permettre de retourner la caillou avec dignité. Donc devant urgence situation humanitaire et déportation par pile par paquet ça qu'a fait là. Donc demandé l'état haïtien pour ta mobiliser tout ressource gain capable que sous frontière pour permettre moun sa yo yo rentrer la caillou en toute dignité parce que yo en pile gaye en pile sous frontière là et j'en nous dis et que gien qui par contre qui côté yo parler nous même nan gars nous pas gen capacité assez pour nous recevoir tout prison y a pour dans plateau central donc gien tout qui wana men gien qui mal passe gien qui en chapitre donc et que situation li très difficile pour en pile migrant haïtien donc l'état supposé mobiliser tout ressource gien quel était l'argent que ces monde donc pour permettre accueillir haïtien par en toute dignité.
Donc et surtout catégorie qui paraît plus vulnérable autant pour femmes et personnes âgées, si monde, donc les monde malade tout parce que moun yo vous voyez même monde malade fini. Donc catégorie monde ça yo besoin une attention spéciale. Donc faut que l'état ouvre jeli sous frontière donc pour ba monde ça yo toutes les possibilités qui gagne pour yo rentrer la caillou. Donc question grand l'autre question qui est assez important dans question déportation ça qui fait là. Donc il y a des gens qui veulent rentrer dans des régions qui sortent dans l'autre région, donc il y a des gens qui sortent dans la région sud, dans la région Grand-Anse et la région Nip, ils ne sont pas capables de arriver la caillou parce que route, ils n'ont pas accès à la route pour arriver la caillou. Question gang qui prend la route à droite à gauche, c'est un autre gros handicap lié pour les gens qui veulent rentrer dans la région. Des gens qui veulent, des gens qui sortent la Tibonite, des gens qui sortent de tous côtés, qui veulent rentrer la caillou, malheureusement, ils ne sont pas capables de rentrer la caillou. Donc, la situation migrants qui vivent sous frontière, là, actuellement, là, il y a un pile qui veulent rentrer la caillou, mais malheureusement, ils ne sont pas capables. Ils sont vraiment au savoir. La demande pour l'État. Faire rapide pour gérer la question accès à, avec vous, la question insécurité. Donc, c'est un gros handicap. Pour moun yo, si son gros problème pour moun yo arriver rentrer dans la caille. N'a mande tout et pour chaque haïtien qui vit sous frontière et que pour et porter coller longer bras ba chaque haïtien qui rentre. Chaque haïtien qui rentre yo sous frontière dans yo besoin assistance, yo besoin assistance moun population qui déjà a vit sous frontière. Donc que on a pas de solidarité ça. Nous connaissons un peuple qui est très solidaire. N'a continuer demander pour faire plus solidarité encore avec migrants qui vivent sous frontière. Gens qui besoin un petit côté pour font dormir pendant une nuit. Si nous capable faire ça pour nous. Gens qui besoin et on référence quelconque et que si nous capable faire ça pour nous. Donc parce que ça est important pour nous qui venir des monde qui pas qu'on Haïti du tout. Et que les gens qui ne parlent pas les créoles trop bien. Donc, nous avons demandé à la population qui se fonctionne en tout et que pour continuer à faire solidarité avec les groupes. Ok.